Retournement de situation pour Gerson. Il y a quelques semaines, je vous annonçais un possible départ de Gerson de l'Olympique de Marseille pour un retour à Flamengo. Pour des raisons qui restent à définir, mais sûrement d'une mauvaise relation avec Igor Tudor. Donc en partance pour Flamengo, Gerson pourrait finalement plus vite revenir à l'OM. Les deux clubs, Flamengo et l'OM, sont très loin de trouver un accord. Depuis quelque temps, on ne s'attendait plus vraiment à revoir Gerson du côté de Marseille. Après une première partie d'expérience digne de montagne russe, le Brésilien, plus utilisé par Igor Tudor, avait demandé à repartir au Brésil. Et s'était même mis d'accord avec Flamengo, son ancien club. On se disait alors que l'Olympique de Marseille et le club Carioca allaient s'entendre rapidement autour des transferts, même si Pablo Longoria, le président de l'OM, semblait se montrer intransigeant. Donc voici ce qu'il a dit. On est en négociation avec Flamengo, c'est désormais public. Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, c'est la vérité du dossier. Le joueur a été autorisé par l'OM à rentrer au Brésil. Mais à l'heure actuelle, les dirigeants de l'OM qui demandaient 15 millions d'euros pour leur joueur s'attendent plutôt à le voir revenir au centre d'entraînement le 30 novembre prochain pour la reprise de l'entraînement après la Coupe du Monde. Mais un journal sportif a eu des échos du président du club de Flamengo, donc voici ce qu'ils disent. Il a un contrat en vigueur avec l'OM, il y a eu des discussions, mais on est très loin d'avoir trouvé un accord. Il y a une distance énorme entre ce que réclame l'OM et ce qu'on peut offrir. C'est une opération très compliquée à réaliser. Avec le joueur et son staff, on est d'accord. Flamengo aime Gerson et on aimerait l'avoir avec nous. Mais vu comment les choses évoluent, j'ai l'impression que ça va être très difficile. Voici ce qu'a dit Rodolfo Landim, le président de Flamengo. Donc on est très loin d'un retour de Brésilien à Flamengo, à moins que Jorge Sampaoli soit toujours en embuscade à Séville. Pour lui décrocher les services de Gerson assez vite.